إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، comme vous le savez, l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal est le joyau de notre dîn, de notre religion. Sans l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal, l'islam n'est plus l'islam, et si l'islam n'est plus l'islam, il n'est pas accepté auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais cette notion de joyau, d'importance, d'émeraude, de diamant que nous avons dans notre dîn, nous le retrouvons aussi dans les adorations. Ainsi, la prière est le joyau de toutes les adorations. Et ce n'est pas un hasard si Allah subhanahu wa ta'ala commencera au jour du jugement par le fait de juger sur l'acceptation ou non de la prière, la sincérité ou non de la prière. Si au jour du jugement il sera fait une différence très nette, alors que ici-bas nous ne pouvons pas faire la différence. Dans cette vie d'ici-bas, à ta droite, tu peux avoir un homme qui fait partie des hommes les plus pieux de cette terre. Et ses mouvements seront faits d'une certaine façon. Et à ta gauche, un homme dont le cœur est complètement oublieux. Dans sa prière, il ne fait que penser à d'autres choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il pense à ses factures, il pense à ses projets personnels, il pense à ses disputes avec un tel, ou le sem qu'il a dans le cœur pour un tel, ou à des histoires de vengeance, ou que sais-je, à des ambitions. Mais les deux à ta droite et à ta gauche font les mêmes mouvements, et on ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Au jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala nous montrera la différence entre ces deux personnes qui, pour l'une, étaient présentes de son corps, de son cœur, et de sa conscience, et qui l'autre n'était présent que de son corps, et son cœur et sa conscience étaient à d'autres endroits. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam Abu Huraira radiallahu anhu, et quand je dis imam, c'est une façon de respecter, c'est avant tout un sahabi radiallahu anhu, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit dans le sens du hadith: la première adoration qui sera estimée pour l'adorateur au jour du jugement sera sa prière. Ça, c'est après que tu sois considéré comme un musulman. C'est une fois que la notion de tawhid, d'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal, a été validée pour toi. Donc tu vas être jugé comme un musulman. Après cela, première étape, juger la prière. Si elle est bonne, alors elle sera parmi les bienheureux et les vainqueurs. Et si elle est mauvaise, il aura échoué et sera damné. La prière en tant que telle est un dialogue avec notre Seigneur. C'est pas une petite chose en fait. Mais frère, il faut vraiment qu'on arrive à sortir de cette dimension où parce que tu as fait les mouvements de la prière, alors tu as prié. Le terme as-salah vient d'un autre terme en arabe qui est as-sila. As-sila signifie le lien. Quand tu rencontres une personne, nous allons faire un scénario. Imagine-toi que tu as trouvé quelqu'un qui est SDF et qui vit dans la rue. Tu l'as pris sous ton aile. Tu es millionnaire. Tu l'as pris sous ton aile. Tu l'as sorti de la rue. Tu lui as payé un appartement. Tu lui as trouvé une femme et il s'est marié avec elle. Tu lui as payé une voiture, tu lui as payé des vêtements, tu lui donnes de la nourriture et chaque mois tu lui donnes de l'argent. Et tu lui demandes une chose. 5 fois par jour, rappelle-toi des bienfaits qui t'ont été donnés. Et celui-ci, ces 5 fois par jour, que fait-il? Au lieu de t'écouter parler et de te répondre en étant présent, il est en train de regarder autre chose, penser à autre chose. Et parfois il manque même ce rendez-vous. Parfois, il délaisse même ce moment-là. Comment seras-tu envers lui? Seras-tu satisfait de lui ou seras-tu en colère contre lui? La prière est un dialogue entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah azza wa jal a descendu le Coran et nous a ordonné de réciter sourate al-Fatiha ainsi qu'une sourate après le Fatiha durant la prière, eh bien c'est Allah qui nous parle. La lecture du Coran, c'est Allah qui nous parle. Tu veux entendre ton Seigneur te parler? Lis le Coran al-Karim. C'est ce qu'on fait dans le salat.
Tu veux parler à ton Seigneur? Regarde, quand tu vas dire Allahu Akbar et que tu vas clamer sa grandeur, tu es en train de parler à ton Seigneur. Ya Allah, anta al-akbar. Quand tu dis Subhan Rabbil Azim, lorsque tu es en ruku', la perfection appartient à mon Seigneur, celui qui est immense. Lorsque tu dis Subhan Rabbil A'la, lorsque tu es en sujoud, en prosternation, la perfection appartient à mon Seigneur, l'élevé, le très haut, par sa puissance et sa perfection. Tu parles avec Allah. Et lorsque tu es prosterné, que tu t'ad'ou Allah, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un moment d'intimité profond avec Allah. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Aqrabu ma yakunu l'abdu min rabbihi wa huwa sajid » Ce qui signifie, le moment où l'adorateur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. « Hiwarun ma'Allah » Un dialogue avec Allah azza wa jal. Et ce hiwar et ce dialogue va avoir des conditions. Parmi les conditions, la pureté de ton corps, effectivement, par les ablutions, les grandes ablutions, les petites ablutions. Aussi la pureté de ton cœur et ta conscience. Et avant même de parler de pureté, bah, il faut que ta conscience et ton cœur, et que ma conscience et mon cœur, soient présents avec notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Wa qala l'imam ibn Qayyim rahimahullah, wa salatu mujlibatun lirrizq, wa hafidhatun lissiha. Annas yashtakun, ijtami'u ila hadha al-kalam. كلام الإمام ابن القيم رحمه الله الصلاة مجلبة للرزق حافظة للصحة دافعة للأذى مطردة للأدواء مقوية للقلب مبيضة للوجه مفرحة للنفس مذهبة للكسل منشطة للجوارح ممدة للقوى شارحة للصدر اللهم ارزقنا يا رب مغذية للروح منورة للقلب حافظة للنعم وحافظة للنعمة دافعة للنقمة وجالبة للبركة مبعدة من الشيطان ومقربة من الرحمن الله أكبر L'imam ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit dans le sens: la prière est une des causes principales de l'augmentation de la subsistance. Tu veux plus d'argent? Tu veux être plus à l'aise dans cette dunya? Ce n'est pas par le haram que tu vas l'obtenir. C'est par le fait d'être proche de ton Seigneur. Parce que ton Seigneur, parmi ses noms, il y a Al-Razzaq, celui qui donne la subsistance. C'est lui qui donne. Ce n'est pas ton patron, ce n'est pas ton business sur Internet ou quoi que ce soit. C'est Allah Azza wa Jal qui va te donner. Si Allah veut que tu sois le plus pauvre des pauvres, tu seras le plus pauvre des pauvres. Si Allah veut que tu sois le plus riche des riches, tu seras le plus riche des riches. C'est lui qui décide. Et peut-être que la pauvreté est la meilleure des choses pour toi. Et peut-être que la richesse est la pire des choses pour toi. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils sont riches, oublient leur Seigneur. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils sont pauvres, se prosternent et demandent à Allah Azza wa Jal en pleurant. Et ceux qui sont ingrats, lorsqu'Allah Azza wa Jal leur donne, ils se détournent de lui. La prière est une des causes principales de l'augmentation de la subsistance, de la préservation de la santé. Elle repousse le mal, elle renforce le cœur, elle blanchit les visages, le nour que tu vois sur les visages. Elle rend l'âme heureuse, elle chasse la fainéantise, donne de l'énergie au corps, augmente la force physique, ouvre la poitrine aux sagesses coraniques et de la sunna, nourrit l'esprit, illumine le cœur, préserve les bienfaits, préserve de la violence et de la vengeance, apporte la bénédiction, éloigne le diable et rapproche du tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Comme je vous l'ai dit dans le passé, aujourd'hui notre belle communauté et mes frères et sœurs que j'aime de tout mon cœur, et je fais partie de cette communauté, hein, on ressemble à des gens qui ont un trésor chez eux mais qui vivent dans la rue et mangent dans les poubelles. On recherche le bonheur dans des choses qui sont de cette dunya, alors qu'Allah Azza wa Jal nous a tout donné, de A jusqu'à Z, d'alpha à oméga si tu veux changer d'alphabet. On ressemble à des gens qui vivent dans la rue et mangent dans les poubelles, alors qu'en fait Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout donné dans le Qur'an al-Karim. Après les gens yashtakoum, les gens se plaignent, mais ce que je comprends, regarde ta prière, Akhil Karim. Je vais vous citer par la suite une autre parole de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah qui te dit dans le sens que finalement, tu veux voir où t'en es avec Allah, regarde où t'en es dans ta prière. Et je ne te parle pas simplement d'avoir la capacité à mémoriser tel mouvement ou tel mouvement ou telle parole. Je te parle du khushu', le recueillement dans cette prière. Wa salat madrasa wa hiya idharu dhulli wal istislam. Et la prière, mes frères, c'est une madrasa, c'est une école. Et par elle, va se manifester la soumission à notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Fa hiya madrasa wa fiha
نتعلم قراءة القرآن يقول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن. Premier des éléments, cette prière est une école dans laquelle on va apprendre non pas une seule adoration, mais des dizaines d'adorations. Première des adorations, tilawatul Qur'an. Première des adorations qui est présente dans la salah, dans la prière, c'est réciter le Qur'an. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, alors lisez ce qui vous sera facile de lire du Qur'an al-Karim. Wa fi salah al-dhikru wa al-du'a. Dans la prière, tu as d'autres adorations, dont l'évocation d'Allah, le fait de mentionner les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu mentionnes les noms d'Allah, c'est quand tu vas dire Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rab, quand tu vas dire ces noms-là. Mais on est censé connaître le sens de ces noms. Ainsi, le simple fait de les mentionner va nous donner du bonheur dans le cœur. Je vous donne un exemple concret. Pense au nom, si tu as une fille, de ta fille. Et pense à lorsqu'elle était bébé et qu'elle venait de venir dans tes bras. La simple mention de son nom va ramener des sentiments dans ton cœur. Moi, là, je vais penser à ma première, ça y est. Tiens, je souris. Pourquoi ? Hafidhah Allah. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce nom est lié à une connaissance, est lié à des états émotionnels, est lié à une expérience. Et le nom d'Allah, Ar-Rahman, doit être lié à une connaissance de qui est Ar-Rahman. Parce que sinon, si on te dit le tout miséricordieux, mais c'est juste deux mots que tu as mis l'un derrière l'autre, le fait de mentionner Allah, Azza wa Jal, ne va pas t'apporter cet apaisement du cœur et cette sakina. Premièrement, l'évocation. Deuxièmement, l'invocation. Invoquer Allah. Dans la prière, on évoque Allah, on invoque Allah, on lit le Coran. C'est pas ajib ça? T'as tout l'islam là-dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens du hadith que je vous ai mentionné juste avant, s'il s'est levé et a accompli la salah, et a fait la louange d'Allah, et a fait son élange par des paroles correspondant à sa pureté, et a vidé son cœur de tout ce qui est autre qu'Allah. Il sortira de cette prière comme il est sorti le jour de sa naissance. Qu'Allah nous accorde cela, ya Rabbal Alamin. Dans la prière, on apprend à s'isoler en étant dans quelque chose de communautaire. Lorsque je vais finir ce prêche et que nous allons prier ensemble pour Salat al-Jumu'ah, wa nas'alullah an yataqabbala minna jami'an, on demande à Allah d'accepter de nous tous, ya Rabbal Alamin. On va tous prier ensemble, vous allez tous faire les mêmes mouvements derrière moi. Pourtant, les cœurs seront différents, les vies sont différentes, les épreuves sont différentes, les espoirs sont différents. Et ta vie spirituelle est différente de ton voisin, en fait. On apprend à s'isoler de ce monde, tout en étant dans une action qui est une action qui est globale avec ses frères et sœurs, dans les mêmes mouvements, dans les mêmes paroles qui sont codifiées. De même, on y apprend l'enseignement des jugements. On apprend ce qui est halal, ce qui est haram. On apprend, en fait, on a cette notion de relation avec qu'est-ce qu'un pilier dans la prière, qu'est-ce qu'une obligation. Et cela, en fait, c'est une éducation qu'Allah Azza wa Jal nous donne pour qu'on comprenne que tout comme notre prière est conditionnée par cinq choses, ce qui est obligatoire, préférable, autorisé, détestable ou interdit, eh bien, tous les éléments de cette vie rentrent dans ces cinq cases. Soit c'est obligatoire, préférable, simplement autorisé, ou détestable, ou alors interdit. C'est une madrasa, c'est une véritable école. Elle nous enseigne aussi qu'il y a des conditions à l'adoration, tout comme il y a des conditions à la réussite, tout comme il y a des conditions à la foi, tout comme il y a des conditions au bonheur. Les ablutions font partie des conditions de la prière. On l'a tous compris, ça fait partie des conditions. Si tu n'as pas wudu, dans une situation normale, ta prière n'est pas sahiha. Elle n'est pas correspondante aux règles juridiques qu'Allah Azza wa Jal nous a imposées. On arrive tous à comprendre cela. Et bien, il y a aussi des conditions. Si tu veux le bonheur, il y a une condition. Il faut être droit avec Allah Azza wa Jal. Tu veux le paradis, il y a une condition. Il faut être droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. La salah, c'est une madrasa, c'est une école. De même, Allah Azza wa Jal nous enseigne que les choses changent et que finalement, cette sharia, elle s'adapte à chaque chose. Et en fait, finalement, la prière sera différente en fonction des situations et en fonction des temps à laquelle tu les fais. En fonction des situations, quand tu pries et que tu es voyageur, ce n'est pas exactement la même prière que lorsque tu pries et que tu es résident. Ça, c'est un enseignement qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Accepter le changement et comprendre qu'il ne faut pas être mahbous comme ça dans son aql, dans sa tête, et être ouvert au changement, inshallah. De même, la prière en temps de guerre n'est pas la même prière pour que... Salatul Khawf, la prière en temps de guerre n'est pas la même prière que pour quelqu'un qui est en temps de paix. Celui qui prie et qui est sur un champ de bataille ne priera pas de la même façon que celui qui prie et qui est dans sa maison en étant en sécurité. Tu vois ? Allah Azza wa Jal nous enseigne en fait que les choses changent. De même en fonction du temps. Salatul Subh rak'atan, jahriyatan.
La prière du soubh, c'est 2 raka'a que tu fais à voix haute. Et pourtant, salat al-isha, c'est 4 raka'a, dont 2 à voix haute. Et la prière de dhuhr, c'est 4 raka'a, dont 4 à voix basse. Tu vois, Allah Azza wa Jal nous enseigne que les choses changent en fonction de l'endroit où tu es, mais aussi en fonction du temps où tu es. Mais tu n'as pas n'importe quelle discussion à n'importe quel moment avec n'importe qui. À 6h du matin, si tu rencontres quelqu'un, tu ne vas pas parler de la même façon que si tu le rencontres à 20h. Allah Azza wa Jal nous enseigne tous ces changements. Regardez tous les trésors qu'il y a dans la prière. La prière aussi nous enseigne la patience dans l'adoration. Quand l'imam est en train de lire le Coran et que peut-être sa lecture était longue avec les critères de 2022, Allah Musta'an, entre parenthèses, longue critère 2022, peut-être que ton cœur, ta conscience et ton corps ont envie de bouger, mais tu ne bouges pas. Pourquoi tu ne bouges pas? Pourquoi tu ne pars pas? Parce qu'en fait, tu apprends à patienter sur les choses. Et c'est la prière qui t'enseigne cela. La prière nous enseigne l'humilité et la soumission lorsque tu dis Allahu Akbar. Quand je dis Allahu Akbar, ça veut dire « Dunya ashar wa ana ashar »« Wa shahwati ashar » Quand tu dis Allahu Akbar, Allah dépasse tout, « Wal kebir ou akbar » Cela signifie que tu as conscience que toi, tu es le plus petit de tout et qu'Allah Azza wa Jal est le commencement et la finalité. On a conscience que cette vie d'ici-bas, quand on est censé avoir conscience quand on dit Allahu Akbar, que cette vie d'ici-bas n'est rien, elle est toute petite. Le ham qui nous empêche de dormir, les vengeances qu'on a à l'esprit pour quelqu'un qui nous a mal parlé, les choses qui nous empêchent de vivre et d'être heureux et qui vont nous empêcher de dormir, Allahu al-Musta'an, la peur pour le futur, la peur pour ci, la peur pour ça. Tout ça, en vérité, c'est asrar. C'est petit, en fait. Parce que tu veux que je te dise, moi, de quoi on est censé avoir peur? Minan nar, de l'enfer. Tu veux que je te dise ce qu'on est censé espérer plus que tout? Al-Jannah, wal-Firdaus, wa maghfirat Allahi azza wa jal. On est censé avoir un ham dans nos cœurs, un ham. Quelque chose, ouais, ça t'empêche de dormir, de penser à l'enfer. Akhoya psahtek, c'est bien, masha'Allah. Ça t'empêche de dormir tellement t'es impatient de rencontrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà mon frère, c'est ça un croyant. Et pour quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros ou pour des histoires de mauvais regards ou alors de mauvais commentaires sur internet, les gens ils n'endorment pas. Et on dit Allahu Akbar. Allah, on a dit Allahu Akbar avec nos langues mais dans nos cœurs c'était Ashar. Plus petit que tout. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Faqala l'imam ibn Qayyim rahimahullah. فالصلاة محق الأحوال وميزان الإيمان بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله ونصيبه منه فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة فإنها ميزان العادل. الله أكبر. La prière est l'élément qui permet de réellement jauger la réalité de la foi. C'est par elle que se voit la proximité avec Allah Azza wa Jal. Rien n'est comparable à cette balance dans le fait de peser le poids de la foi et l'amour d'Allah. Et cette balance est juste. Wa qala ba'du salaf laysa bi mustakmil al-iman man lam yazal fi hammin wa ghammin hatta yahdura salah fayazulu hammuhu wa ghammuhu. Ce qui signifie, il fut dit chez les salaf, pour résumer, celui dont l'anxiété et l'affliction ne disparaissent pas avec la prière, n'a pas une foi complète. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa huwa al-ghafur rahim wa akhraja al-imam al-Tirmidhi rahimahullah min hadith Mu'adh ibn Jabal al-Tawil wa fihi qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala ukhbiruka bi ra's al-amr wa amudihi وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, lorsqu'il s'adresse à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, il nous dit: ne veux-tu donc pas que je t'informe de la clé qui ouvrira tout, du pilier et du sommet de ton din? Il dit: bien sûr ya Rasulallah, informe-moi. Ra'sul amr l'islam. Ra'sul amr, c'est quelque chose de difficile à traduire, mais dans le sens ici qui est voulu dans le hadith, c'est la clé de tout, c'est l'islam. C'est clair. La clé de tout, c'est l'islam. Tu peux avoir des millions dans ton compte, tu peux avoir les diplômes que tu veux, tu peux avoir les gens qui te font des soujouts devant toi comme un jabbar. T'as rien compris à la vie si t'as pas de dîme. Ra'sul amr l'islam.
Vous êtes des musulmans. Nous sommes des musulmans. Akraman Allah subhanahu wa ta'ala bil iman. Amrun ajib. Allah azza wa jalla nous a honorés par la foi musulmane. C'est un honneur de vivre cette foi. C'est un honneur d'être un musulman. Et si on délaisse cet honneur d'être un musulman, et si on oublie l'honneur d'être un musulman, Allah azza wa jalla reprendra notre foi, qu'Allah nous préserve, et la donnera à d'autres peuples. Et c'est ainsi. Hada min sunnatillahi azza wa jalla. Les Arabes du Moyen-Orient ont tenu l'islam à bout de bras, tabarakallah. Ont eu à certaines périodes de leur histoire une grande piété. Allah azza wa jalla leur a donné la puissance. Puis nous avons eu les Berbères et les Arabes du nord de l'Afrique qui ont conquis l'Andalousie. Et tant qu'ils sont restés attachés à leur dîn, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la baraka. Plus le fesed, la philosophie, les chants et l'alcool est rentré dans les mœurs des Maghrébins qui vivaient en Andalousie à l'époque. Et puis Allah azza wa jalla leur a enlevé la baraka jusqu'à temps que les musulmans perdent tout. Allah azza wa jalla par la suite a honoré les Turcs par le fait de tenir le pouvoir. Est-ce que nous, on va faire partie d'une part de la solution ou est-ce qu'on va être une part du problème? C'est ça la question de fond. Et ne prenez pas l'islam comme étant un acquis. « Man yahdihillahu falamudillala wa man yudlil falahadiyala » comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qu'Allah a guidé, personne ne l'égarera, et celui que Allah veut égarer, personne ne le guidera. Qui t'a dit que tu allais mourir musulman? On agit avec l'islam comme certains agissent avec leurs femmes. Beaucoup de frères, quand ils se marient, au début, ils font attention à leur épouse. Éteins le téléphone, s'il te plaît. Il y a des gens qui, au début de leur mariage, font attention à leur épouse. Fais attention à elle, ils l'appellent, ça va, salam alaikum, bekhair, je vais rentrer un petit peu tard, ils lui ramènent un petit cadeau. Fais attention à elle. Pourquoi? Parce qu'il veut la conquérir et la garder. Tu reviens 10 ans après, sa femme, on dirait, c'est devenu son esclave, c'est une servante dans sa maison. S'il la regarde, c'est juste pour lui faire un reproche. Allah y a dit. Pourtant, c'est la mère de ses enfants. Il n'y a rien de plus noble que ça sur cette terre. Dans la relation qu'il y a entre un homme et une créature, c'est qu'une femme te donne des enfants. Ça, c'est sacré. Pour ceux qui ont encore une notion de sacralité. Et certains musulmans agissent avec l'islam de la même façon. Ah, dit. Je suis musulman, et alors? La prière? Ouais. Un de ces quatre. Salat al-Tarawih. Allez, je vais faire salat al-Tarawih une fois, pendant Ramadan. Des gens qui ne font même pas les 5 prières obligatoires, ils viennent faire tarawih. Le fiqh, il est complètement... Qalabat al-mawazin. On ressemble à des hommes qui négligent leur épouse. On est mutazawwaj bil-islam. On est marié à l'islam. Et cet islam, si on le traite mal, il peut nous quitter totalement, qu'Allah nous préserve. Ou nous quitter partiellement et ne plus nous regarder. Et ainsi, c'est nous qui finirons par courir après lui. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous arrange, ya Rabbal Alamin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que nous devons prier dans toutes les situations. Subhanallah. Une chose qui est extraordinaire, c'est que la prière est une adoration dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas pour les hommes, pour les femmes c'est différent avec la période des menstrues, akramakumullah, mais pour les hommes, à aucun moment tu ne peux laisser la prière. Regarde, la zakat al-mal, l'impôt purificateur des biens, si tu n'as pas le montant nécessaire pour être imposable, tu n'es pas imposable. Alors la zakat sera obligatoire de façon globale, mais pour toi à ce moment-là, elle ne sera pas obligatoire. Le saum de Ramadan, si c'est pendant Ramadan et que tu es malade d'une maladie profonde et que tu ne peux pas jeûner, soit tu es malade temporairement et tu devras rattraper tes jours, soit tu n'es pas malade temporairement mais c'est une maladie dont on n'espère pas la guérison et c'est une maladie grave, qui, par exemple des gens qui ont des gros problèmes de cœur et qui sont obligés de prendre des pilules toutes les 4 heures, celui-ci, ça ne va pas s'améliorer en principe. Donc cette personne-là ne devra sortir que la kafara, elle n'aura pas à rattraper. Mais tu vois, il y a un badil en fait, tu peux faire autre chose. Le hajj, si tu n'as pas l'argent nécessaire pour faire ton hajj, et s'il n'y a pas, la sécurité nécessaire pour les routes pour arriver jusqu'au hajj, eh bien le hajj est obligatoire de façon globale, mais pour toi à ce moment-là, il n'est pas obligatoire. La prière, non? On doit prier dans toutes les situations. T'es en bonne santé, tu es malade, tu es pressé, tu es voyageur, t'as un travail avec un patron kafir qui ne te laisse pas prier, dans tous les cas, tu dois prier à Akhil Karim. Et pour ceux et celles qui sont dans des travails depuis des années et des années et qui ne font pas leur prière à l'heure en disant « mais j'ai pas le choix », la takdhib ala nafsik. Juste ne mens pas à toi-même. Juste ne mens pas à toi-même. Tu ne t'es pas donné le choix. Il y a des gens qui, dans leur travail, depuis 20 ans, n'assistent pas à Salat al-Jumu'ah. Alors maintenant, on va être très clair.
qu'est-ce qui se passe si je suis dans un travail dans lequel je ne peux pas prier? Quelle est la solution, en fait? Il y a deux choses. La première des choses, tu dois chercher un autre travail. Mais attention, pas chercher un autre travail où une fois de temps en temps, une fois tous les mois, tu regardes les petites annonces et tu veux retrouver les mêmes avantages que tu avais. Et tu veux retrouver les mêmes avantages que tu avais dans ton travail. Non, non, non. Il faut chercher un travail comme si tu étais sans emploi et que tu as un loyer à payer à la fin du mois. Voilà quel type de travail tu dois chercher quand tu ne peux pas prier à ton travail. C'est pas non plus où tu... Il y a des gens, ça fait 20 ans, qui disent non, cherche un travail. C'est pas vrai. Deuxième des choses, tu vas devoir aussi accepter que peut-être, dans ce travail où tu pourras faire la prière, si tu en trouves un dans lequel tu peux prier, bien sûr, tu vas gagner moins d'argent. Bah, faut l'accepter, en fait. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour faire de l'oseille, akhil karim. Donc si tu peux faire de l'argent, psahtek, c'est bien, mais si maintenant faire de l'argent est un mur entre toi et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas avoir un choix. T'as Allah qui t'ordonne, t'as ton patron qui t'interdit. Man tattabi', qui est-ce que tu vas choisir? Et qui est-ce que tu vas suivre? Et wallah, mes frères, combien de fois j'ai vu des gens, 20 ans de prière où ils ne font pas la prière au travail, et ensuite, ils rentrent le soir et je m'arrête au salawat. Ils regroupent les prières le soir. D'accord? Et ils ne font pas salat al-jumu'ah. C'est des gens, ils arrivent à un moment, les cheveux ils sont blancs, la barbe elle est blanche, il n'y a aucune spiritualité en eux. Et même la sagesse due à la hikma que la salah va t'enseigner, parce qu'on a dit que la salah c'était une madrasa, tu ne la trouves pas. Ils ont fait des harakat et des mouvements. Et quand tu rattrapes ta prière le soir, la seule chose à laquelle tu pensais, quand est-ce que c'est fini? Et ne me dis pas que tu récites surat al-baqara. Tu récites à tout casser, Al-Kawthar ou Al-Ikhlas. Et ça, c'est la vérité. Donc, on doit chercher un autre travail avec urgence. Tu as une femme et des enfants, tu as un loyer, tu ne peux pas laisser ton travail comme ça du jour au lendemain. Anamark. Mais tu cherches un autre travail. Tu n'as pas trouvé d'autre travail. Prie sur ton lieu de travail. Essaie de trouver des techniques, des stratégies. Tu peux pas? Ok. Tu peux pas? Taïb. Vous êtes des Maghrébins, vous êtes des Malikites. Ok. Chez l'imam Malik, rahimahullah, la prière dans les toilettes est détestable, mais elle n'est pas batila, elle n'est pas rejetée chez les malikites. Mais chez les malikites, le fait de prier dans, akramakumullah, dans des toilettes handicapées, tu ramènes des lingettes, tu nettoies, tu ramènes ta sallaya et tu pries dans les toilettes dans le pire des cas, si vous êtes vraiment des malikites, mais ça ne remet pas en question la validité de la prière. Par contre, il y a une chose qui est sûre, laisser la prière sortir de son temps, c'est haram. Donc, à choisir entre le makruh et le haram, c'est à toi de choisir. On verra une prochaine fois, inshallah, le recueillement dans la prière. Et en fait, à quel point le recueillement fait partie des éléments fondamentaux de la prière. Et comment atteindre, incha'Allah, le recueillement, on le verra ensemble, incha'Allah ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallama, man salla alayya salah, sallallahu alayhi biha ashra. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. إنك حميد مجيد اللهم انصر الحق في كل مكان يا رب العالمين ودمد الله عز وجل de faire triompher la vérité dans tous les endroits du monde يا رب العالمين اللهم ارزقنا بالإيمان القوي وبصلاة خاشعة يا رب العالمين دمد الله de nous accorder une foi qui est forte et une prière qui soit pleine de recueillement يا رب العالمين اللهم ارفع قدرنا عندك بصلواتنا وبعبادتنا كلها يا رب العالمين دمد الله d'élever notre degré auprès de lui, et ceci par la cause de nos adorations et spécifiquement par la cause de nos prières, ya Rabbal Alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. On demande à Allah de nous montrer la vérité comme étant la vérité, d'avoir l'honneur de la suivre, et de nous montrer le faux comme étant le faux, et de nous préserver de le suivre, ya Rabbal Alamin. Une invocation spécifique pour la mère d'une de mes élèves, qui est décédé il y a quelques jours, qui est décédé hier, rahimahallah, demande à Allah Azza wa Jal de la faire rentrer au paradis, ya Rabbal Alamin, de lui donner les plus hauts degrés du paradis, de lui pardonner ses péchés, ya Rabbal Alamin, et de la faire rentrer en compagnie de l'abrar, des pieux du paradis, ya Rabbal Alamin.